Alors, il va falloir que je me refamiliarise un petit peu avec les boutons. Continuer. Ah, j'aurais dû aller dans les options, voir un petit peu les commandes. Parce que même s'il n'y a pas énormément de commandes, il y avait le bouton pour prendre les photos, il y avait les boutons pour zoomer, il y avait le bouton pour envoyer les pommes. Et donc, petit rappel des faits par rapport à la fois dernière, nous avions terminé. Vous avez hein, une partie du live qui a été remise sur la chaîne, diffusée hier, puisque nous sommes samedi, et avec le quatrième épisode, donc le dernier en date, où j'avais gagné les Agas Balls. Donc normalement, je devrais avoir les Agas Balls, et ça c'est une bonne nouvelle. Alors, je t'attendais, j'espère que tu prendras de bonnes photos. Bah, j'espère aussi, mon petit biquet. Alors, parcours. Donc on avait débloqué 4 parcours, la plage, le tunnel, le volcan et le fleuve. Le fleuve est paisible, on raconte même que des Pokémon se cachent aux alentours. Alors, écoutez, on va faire la plage parce que, donc déjà c'est le tout premier environnement du jeu, on avait, alors, j'ai appris 2-3 trucs depuis la dernière fois que j'avais fait le stream. Le dos du haut, qu'apparemment il faut mitrailler très rapidement. La petite planche électrique, près de laquelle il faut envoyer des pommes. Et là il devrait se passer un truc. Ronflex, je l'avais déjà mitraillé de pommes, il s'était rien passé. Il est en train de dormir, donc je suppose que maintenant que j'ai les Agas Balls, ben, on va voir, je vais lui balancer les Agas Balls dans la tronche, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc c'est parti pour la plage. Hein. Allez, alors c'est quoi déjà? Voilà, donc c'est là, c'est ce bouton-là. Ah oui, ça c'est pour tourner. Les photos. D'accord, c'est ça. Ça pour zoomer. Et A pour prendre des photos, des clichés. Bon, visiblement... Visiblement, j'ai loupé le dos du haut, encore une fois, très rapide. Donc, je le referai quand je retournerai dans cette partie-là. La planche, il se passe pas grand chose. Donc je la referai tout à l'heure. On va voir un petit peu le Ronflex. Loclass, hein, je l'avais pris déjà la dernière fois. Hein. Ronflex. Alors si je vise bien, c'est mieux. Normalement, c'est bon, je l'ai mitraillé de photos, ça doit bien se passer. Allez, Agas Ball, parce que finalement, je balance des pommes, mais je balance peu d'Agas Ball. Apparemment, elle génère une espèce de vieille fumée. Pourquoi pas. Il faut que je regarde toujours devant, derrière, les trucs, c'est complètement... C'est pas facile, hein. C'est pas facile dans le sens où... Dans le sens où, voilà, il peut jaillir n'importe quoi, n'importe quand... Même dans l'eau. Moi, ces feuilles qui s'agitent là au-dessus des fleurs, ça me perturbe. Mais bon. Encore une fois, comme la dernière fois. Il n'y avait pas un Magikarp qui avait sauté là? Ou c'était derrière? Oh non! Loupé! Bon, c'était derrière. Ok, il faut que je me refamiliarise un petit peu avec l'ambiance. Hein, Voilà, là ici on balance un peu de tout, des pommes, des Agas Balls, machin. On se fait plaisir. Ok. Kangourex, ben on va tenter aussi l'Agas Ball. Oula. J'avais déjà pris une photo de le Vénère sympa la dernière fois. Plus loin le Magikarp. Ok. Ouais, je crois surtout je me suis trompé de côté en fait. Voilà, parce qu'il me semble que le Kangourex, je l'avais pas pris vénère la dernière fois. Je l'avais pris en train de me courser, mais je l'avais pas pris vénère. Salut les gars, vous kiffez? Donc plus loin, c'est peut-être ici? Pff,
Je m'attendais à ce qu'il saute un peu plus haut. Ok. Bon, premier parcours, je l'ai refait. Je sais pas si j'ai amélioré des photos par rapport à ce que j'avais pris avant. On va voir un petit peu. On va voir un petit peu. Ok. Là, par contre, j'ai pris pas mal de photos. Hein. J'ai un peu mitraillé. Alors, 23 photos ont été prises. Voilà. Là, j'ai une nouveauté. J'ai Monsieur Ronflex. Je pense que la meilleure, ça sera lui. Elle m'a l'air vraiment très bien. Le Vénard, je l'avais déjà pris la dernière fois. Celle-là, elle est peut-être pas mal. Allez. Le Kangourex énervé. Voilà. Ou peut-être l'autre, plutôt. Voilà. Et normalement, je devrais avoir des points sympas par rapport à ça. Allez, montrons les photos. Quoi de neuf cette fois? Alors, le Ronflex est une nouveauté. Je pense qu'il va me faire plein de points parce qu'il est centré. Il est de grosse taille. Il a une pose pas dégueulasse, j'ai envie de dire. Comment moyen? Ok, 1000 points de grattage de ventre. Je prends. Et en plein milieu du cadre, ça se double. Parfait, 3440. Alors, la dernière fois, en faisant le nombre de points que j'ai fait, j'ai pu débloquer les Zagas Ball. Je vous le dis, j'ai aucune idée si en faisant des nombres de points supplémentaires, je débloque encore un objet supplémentaire. Alors, le Vénard. Ah, elle était pas mal l'autre. Hein. Elle était mieux. Ah. Ah, très bien. Et oui, parce que la dernière fois... Ah, très très bien. La dernière fois, je lui avais pas lancé de pomme. Donc il était moins heureux. Très bien, ta photo est meilleure que la précédente. Kangourex. Ah, il était pas mal la dernière fois déjà. Ouais, il est plus petit celui-là. Énervé, même nombre de points. Je peux doubler tes points. D'accord. Ok. Donc je fais moins que la dernière fois. Bon. Alors, est-ce qu'il me fixe un... Est-ce qu'il me fixe un plafond de points? Je vais enregistrer le résultat. Oui, certains Pokémon se cachent dans le fleuve. Déniche-les avec une Agas Ball. Ah, merci pour l'indice. En même temps, ça paraît logique, mais... Certains Pokémon se cachent dans le fleuve. Le problème, c'est que le fleuve, il est grand, quoi. Allez. Alors, dans le tunnel, si ma mémoire est bonne... Qu'est-ce qu'il me restait à faire? Je crois que j'avais donc libéré la voie du volcan en faisant exploser l'électrode. J'avais fait se réunir les magnétis pour pouvoir faire un magnéton. J'ai absolument pas utilisé la Gas Ball. Souvenez-vous, dans le tunnel, il y a un œuf. Œuf que je n'avais pas réussi à briser avec les pommes, donc il faudra que j'essaye avec les Agas Ball. Mais pour l'instant, c'est pas ma priorité, parce que dans le tunnel, je vois pas énormément de choses à faire. Le volcan, il faudra que je prenne, ça c'est Ludy qui m'en avait parlé la dernière fois, le Dracaufeu en train de cracher du feu. Je vois pas ce que je peux faire beaucoup d'autre dans le volcan. Donc on va se tenter le fleuve. Parce que le fleuve, il y avait le coquillasse, le crustabri, pardon. Le crustabri qui avait popé lors de mon premier voyage et qui avait pas popé lors du second voyage. Aucun sens. J'ai pas testé évidemment la Gas Ball non plus. Il y avait cet interrupteur sur lequel j'avais balancé des pommes. Il s'était rien passé parce qu'il y a une espèce de voie sur la droite. Écoutez. Go to the fleuve. Il y avait le Rafflesia aussi. Le Rafflesia qui dormait. Donc il y a beaucoup plus de choses à faire sur le fleuve. Allez. Ah oui, c'est vrai que les commandes sont inversées. C'est relou. Petit art. Je pense qu'on n'aura pas mieux. Peut-être que je leur balance des Agas Ball, ça leur fera plaisir. Attention à ce qui se passe aussi à droite et à gauche. Lui, je crois que j'avais galéré.
Je sais plus si je l'avais touché ou pas, Pépère. Tiens. J'ai pas l'air content. Non. Bon. C'est pas mal. Je voulais en avoir deux sur la même photo, mais j'y arriverai pas. Autre chose pour les Agas Ball. Là, y a rien. Je vois rien. Lui, je lui avais lancé des pommes, mais pas une Agas Ball. Ça a pas l'air de lui faire grand-chose. J'avais essayé de lancer aussi des pommes sur les panneaux coquillas. Il s'était rien passé. Rafflesia. J'avais lancé des pommes, il s'était rien passé. Donc je mitraille. Bon, vous me dites hein, dans le chat, hein, n'hésitez pas. Hein, si c'est utile que je mitrasse... Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Si c'est utile que je mitraille le Rafflesia. Avec la Gas Ball ou si ça a rien à voir. Non, à Gas Ball, ça fait rien. Là-dessus, à Gas Ball. Fait rien non plus. Là, il y a une espèce de vieille fumée, je sais pas si c'est le Rafflesia ou pas. Là, c'est un morceau de parcours où il n'y avait pas grand-chose, je crois. Alors, eux, je les avais déjà pris. Hein. Hop, on reprend. Pour le fun. Je crois qu'on n'aura pas mieux. Bon, malheureusement, il est tout seul sur la photo, mais c'est pas bien grave. Ici, ah oui, il y a lui. J'avais pas fait la Gas Ball, donc... je crois que je l'ai tué. J'ai tué Psycho Quack. Bon, là, y'a rien, hein, en fait. Y'a rien. Là, y'avait ce pan de mur qui bougeait aussi. Salut. T'aimes les pommes? Ah ben voilà. Parce que je me souviens que j'avais balancé des pommes dessus. Bon, là aussi, hein. Ah ben, vous l'avez vu. Crustabri. Vous avez vu Crustabri. Ah! Salut toi. Bon, j'avais mitraillé de pommes la dernière fois. Hein. J'avais pas les Agas Ball. Donc... Je suppose que j'ai découvert, comme la dernière fois, un nouveau parcours. Très bien. Combien on a pris de photos? 22, donc un peu moins que tout à l'heure. Alors lui, je crois qu'il y a moyen d'avoir d'un meilleur cliché. Ouais. J'aime bien ça. J'aime bien et je pense que j'aurais pas mieux. Et elle est peut-être mieux que la dernière fois. Donc on prend... Ensuite. Non, là. Nul. Lui, on retente. Parce qu'eux, ils sont pas faciles à prendre. Pourrigon, alors. Lui, alors, il est tout petit, malheureusement. Mais lui, il est de dos. Et les autres, est-ce qu'il me les compte ou il me les compte pas? Est-ce qu'il me le compte, lui? J'ai envie de tenter lui. Même s'il est dégueulasse, hein, parce qu'il est, il est tout vert. Mais on va se tenter lui. Allez. Okay. Et normalement, on devrait faire quelques petits points sympas. Quoi de neuf? Voyons, c'est Bulle Bizarre. Ah, il était sympa la dernière fois parce que il allait un petit peu sur le côté. Il se couchait. Ok, j'ai une meilleure taille. La pose. Un peu moins bonne. Plein milieu du cadre. Ouais, donc c'est un poil moins bon. Ok. Dommage que j'ai pas eu l'autre Bulbi sur la même photo. J'aurais fait jackpot. Hein. Que vas-tu sauvegarder? Allez, on garde l'ancienne. L'ancienne, elle est bien. Crisacier. Ah, elle était pas mal la dernière fois aussi. Hein. Là, il est plus petit. La pose, nulle.
Donc on garde l'ancienne, ok. Porygon, bon bah lui... Alors lui, bon, il ressemble à rien, mais au moins il est au centre, il est gros. La pose, j'en sais rien. Bon, ok, moyennasse. Et il est en plein milieu du cadre, ça me fait quand même 3300 points, c'est bon à prendre. Bien! Voilà, voilà, Pat, retournons au labo. Te revoilà. Te revoilà. Allez, on sauvegarde. T'as trouvé un nouveau chemin. D'après mes recherches, ce passage te mènera à un nouveau parcours. J'y ai aussi ouvert un chemin vers mon labo. Allez, on sauvegarde. Oui. Veux-tu continuer? Oui. Alors. Super. J'ai débloqué la caverne. Mais la caverne, on va pas la faire de suite. Je vais juste me retenter le volcan pour l'histoire du Dracofeu qui crache un peu. Et on fera le nouveau parcours dans la foulée. Et puis il y a les Agasballs aussi. Peut-être pas mal quand il a cabré comme ça. Allez, faut que je pense vraiment... Oh! Oh! Vous l'avez vu? Il y avait un visage. Mais en fait... Mais ça les tue, en fait, ces trucs-là. Ça porte bien son nom. Et si je balance comme ça au pif, il se passe quelque chose? Non, des pommes. Le problème, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'il faut lancer, quoi? Des pommes ou des agasballs? Les geysers. Ben, je veux bien. Je veux bien les geysers, mais j'y mets quoi, Ludy? Pomme, agasball, j'y mets quoi? Je pense que j'ai fait apparaître la tête du... Ben, ça ressemblait à un Smogo. Sans conviction, mais... Magmar, je crois que je l'avais déjà bien pris la dernière fois. On peut lui lancer une pomme supplémentaire, il sera content. Oh! Ouf! Ah! Eh, pas mal! J'ai lancé une boule sur le Magmar, il a craché sur le... Salut toi! Ah oui, Sulfura, c'est vrai. Il a craché sur le Reptincelle qui s'est transformé... Tiens! Alors, c'est là où il y a le Reptincelle, hein. Faut pas que je me loupe. Hein. Faut pas que je me loupe, parce que la dernière fois, je l'avais bombardé. Ah, c'est ça les geysers? Ouais, mais je peux pas être partout. Salut toi. Ah, génial. Ah ouais, mais je peux pas faire le drac au feu, là. Je peux pas faire le drac au feu. Et si je lui donne à manger? Ah, j'avais un Magikarp. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, par contre, le drac au feu... Hein? Salut, toi, tu kiffes? Alors, attends. Tiens. Tu vas pas aimer ça. Ah, bon, je l'ai buté juste avant de me barrer. Bon, c'est pas mal. C'est pas... Alors, j'étais focus sur le drac au feu, mais quand j'ai tourné ma tête sur la droite, je crois que c'est là où j'ai vu les geysers dont tu me parlais. Alors autant le tout premier geyser, c'était pas tellement un geyser finalement, c'était on aurait dit un cratère quoi. J'ai balancé une agasball, je crois que j'ai vu une tête de Smogo mais que j'ai pas pu prendre. On va voir, hein. Normalement je crois que j'ai pas pu la prendre. Hein. Et là c'était des Kadinos. Alors Galopa. Est-ce que j'ai un meilleur Galopa que la dernière fois? Malheureusement il a cabré à un moment. Mais je sais pas si ça a bien rendu. Ça. Alors ça, c'était pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Je sais pas laquelle prendre. Est-ce que je prends celle-là? Il est en train de lui cramer la tête. Je prends celle-là. Mmh.
Comme quoi, faut vraiment avoir l'œil partout, mais c'est juste impossible de faire un 100% sur ce jeu. Reptincelle, je crois que je l'ai mieux eu. Ah, c'est difficile, hein, Reptincelle. Hein. Ah, je peux aller de photo en photo comme ça, d'accord. Allez, on va prendre celle-là. Sulfura, je crois que j'avais mieux. Hein. Allez, je la prends quand même, hein. Dans le doute. Mais il me semble que j'avais mieux. Ah! Comme j'ai pris le magmar tout à l'heure en train d'enfumer le salamèche, je ne peux plus reprendre le magmar qui poutre un autre magmar. Dommage. Alors, Caninos. Donc celle-là, elle est sympa. Celle-là, elle est peut-être mieux au niveau de la pose. Moi, j'aime bien celle-là. Même s'il n'est pas de près. Mais bon, c'est difficile d'avoir mieux. Parce que je pouvais pas plus zoomer. Au moins, il est en train de faire un petit cabri, là. Allez. Allez. Ça devrait être pas mal, ça. Comme quoi, faut vraiment passer, repasser, surpasser pour avoir des... Quoi de neuf, cette fois? Bonsoir, Forky de Toy Story 4. Forky de Toy Story 4. Donc déjà, bonsoir à toi, bienvenue sur ce live. Tu me confirmes que tu es la... Forky, c'était la fourchette, en fait, hein, dans Toy Story 4. C'était la petite fourchette. Je sais plus si c'était un garçon ou une fille. La fourchette, je crois que c'était un garçon. J'ai un doute. De quoi de neuf? Mais j'adore Toy Story 4... Quoi de neuf cette fois? Alors Galopa, est-ce que mon Galopa actuel est meilleur que le Galopa de la dernière fois? Oh non, il était stylé. Ah non, il était stylé. Là, non. Moins beau en taille, moins beau en pose. Non, non, il était stylé. Ok, difficile d'avoir mieux. Encore une fois, dommage que j'ai pas pu prendre le cliché de celui qui cabre. Ok, nul. Ensuite, Magmar. Je me demande si Magmar a une évolution dans ce jeu. Mais je pense pas parce que son évolution est venue bien plus tard dans les générations. Et Pokémon Snap était déjà sorti. La photo de ma mère est déjà dans le rapport. Voyons la taille. Donc c'est moins bien. Ok. La pose. Elle est mieux. Ok. La technique. Plein milieu du cadre. Il me double les points. Ta dernière photo était meilleure. Bah parce qu'ils étaient deux en fait. Je crois que je viens de comprendre un truc. Je crois que je viens de comprendre que quand on prend un Poké en photo, pour qu'il y ait les points de groupe, il faut que ce soit le même Pokémon. Une cuillère fourchette, ouais c'est bien ça. Je vais très très bien, merci à toi. Je crois que pour que les points de groupe Pokémon soient donnés, pour que je les obtienne, il faut que, quand je prends un Pokémon en photo, il faut que ce soit le même Pokémon sur la photo. Si il y a deux Pokémon, mais que ce ne sont pas les mêmes, comme c'est le cas dans la photo que j'ai prise, donc en fait, j'aurais dû choisir l'autre. Celle avec les deux Magmar. Et là, j'aurais eu plus de points. C'est dommage. Hein. Mais faut le savoir. Hein. Reptincelle. il était pas mal la dernière fois. Hein. Ouais. Là, j'ai moins bonne taille. J'ai moins bonne pose. Bon, je suis en plein milieu du câble, mais c'était déjà le cas la dernière fois. Ok. Elle était mieux la dernière fois. Très bien. Sulfura. Sulfura, je pense que j'aurais pas mieux. Non, il était déjà exceptionnel la dernière fois. Ouais, ouais. Non, non. On n'aura pas mieux. Ok. Et en plus, il ne le considère pas au centre. Certes. En revanche, le Caninos, j'aime autant vous dire que c'est une bonne prise. Et je pense que la pose, elle est très sympa. Alors, voyons la pose. 500 points. Bof. Même la taille est pas ouf. Le Pokémon est en plein milieu, heureusement. Ça me sauve. Et comme il est tout seul sur la photo, on n'aura pas mieux. Bon. Ok. Tu découvriras le prochain parcours en prenant 5 Pokémon en photo. Ça veut rien dire. Tu découvriras le prochain parcours en prenant 5 Pokémon en photo. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je prenne 5 nouveaux
Pokémon en photo? Si c'est le cas,